On doit sortir de là avant que le départ soit donné. On essaie, Gabi. Quand tu veux. Il n'y a rien à faire. Cette bulle est trop solide. On n'arrivera jamais à la trouer. Tiens, regarde. Voilà nos sauveurs. Blaze, Watt, on est là-haut. Vous n'avez rien à craindre. On s'occupe de vous. Watt, par là, regarde. Une grue. Si on la met en marche, on pourra manœuvrer pour monter vers la bulle. Prépare-toi, Blaze. Je vais mettre en route la grue en utilisant ma charge électrique maximale. Ça alors, rien à faire. Elle ne se met pas en marche. Pour alimenter la grue en électricité, il va nous en falloir une grande quantité si on veut qu'elle arrive jusqu'en haut. À vrai dire, voilà de combien on aura besoin. 12 ampères. Oh là là, je n'ai jamais fourni autant d'électricité. Mais je vais quand même essayer. Approche-toi. Aide-moi à envoyer 12 ampères d'électricité. Compte jusqu'à 12 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wouhou ! T'as réussi, Watt ! Ton électricité alimente toute la grue. Elle s'est mise en marche. Allons sauver nos amis. Oui, youhou ! Attachez vos ceintures, les amis! On commence la descente! Oh, bravo! Vous nous avez délivrés! Et en plus, juste à temps! La course n'a pas encore commencé! La course? Je l'avais presque oubliée! On va avoir du mal à y être pour le départ! Je crois qu'on va avoir recours à ma vitesse explosive! Pour me donner le pouvoir d'aller super vite, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Mesdames et messieurs les camions, le moment tant attendu est arrivé. Place à la course! Blaze, Blaze, Blaze! Bien, est-ce que les concurrents sont prêts? Moi, oui, de toute façon, il n'y a que moi. À vos marques, prêts. Stop, attendez une seconde. Non, on n'attend pas. Je pourrais-il que... J'espère pas. Oh, pas la plaisir, LJ, ainsi que Watts et Gabi. Oh, ils sont de retour. Coucou, Crusher. Je t'avais dit qu'on reviendrait. Oh, non. Non. Concurrents, à vos marques. Attention, prêt. Parfait. Juste derrière moi. Je dois les empêcher de me dépasser. Il faut que je triche. Oh, attention devant. Crusher a mis un barrage sur la piste. Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. AJ, Gabi, appuyez sur les champignons. Bien joué, Blaze. Je savais que tu y arriverais. Merci, AJ. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu es le meilleur ami qu'un Monster Machine puisse rêver d'avoir. Et il n'y a rien de mieux qu'un meilleur ami.
Oh non, ça veut dire que la course va bientôt commencer. Il faut qu'on se dépêche d'arriver sur la ligne de départ avant qu'il ne soit trop tard. AJ, appuie sur le champignon. Je vais gagner la course parce que Blaise n'est plus là. Je crois que tu vas avoir un choc quand tu vas voir qui c'est qui est là. C'est Blaise. Il revient juste à temps pour le départ de la course. C'est trop cool. J'en mets, il est là. Salut, Crusher. Je t'ai manqué. Crusher et Blaise, faites chauffer les moteurs. Le premier qui arrive sur la ligne d'arrivée, tout en haut de la montagne du dragon, gagne. C'est sûr que ça va être moi. À ta place, je n'en serais pas aussi sûr. À vos marques, prêt, feu, partez. Une toute dernière fois. Attention! On a eu chaud. On dirait bien que c'est moi qui vais être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Pas question. On peut encore battre Crusher. Vas-y, Blaze. C'est le moment de te servir de la vitesse explosive. Reçu 5 sur 5, AJ. Aide-moi à lui donner de la puissance pour qu'il aille super vite. Dis, fonce, Blaze. Fonce, Blaze. Ouais. Accroche-toi. C'est la ligne d'arrivée. C'est impossible que je perde maintenant. Blaise et AJ sont les grands vainqueurs. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la course, petit cochon 500? Nous, on est super prêts. Dans quelques minutes, nous découvrirons quelle équipe réunit la vitesse et la force bestiale du cochon pour gagner ce trophée magnifique. Excusez-moi, mais... moi et Slope, nous sommes la seule équipe présente, alors j'imagine que cela fait de nous les vainqueurs de la course. C'est bon, vous pouvez nous donner le trophée. Excusez-moi, mais... puisque je vous dis que c'est bon, allez. Si vous voulez ce trophée, il va falloir que vous remportiez cette course. Dans ce cas, tout le monde en piste. Concurrents et petits cochons de course sur la ligne de départ. C'est une excellente idée, Zippy. Blaze, AJ, ça vous plairait de participer à la course avec nous? S'il te plaît, Blaze, réponds oui. D'accord, allons faire cette course. Yeah!
juste derrière nous? Non, pas grave, Slop. On va faire ce qu'on fait le mieux. Tricher. Wow! Attention! Oh non, ils ont fait écrouler le pont. À la revoyure. On n'arrivera pas à sauter aussi loin, à moins de trouver de quoi nous élancer grâce à un pendule. Et ce pendule est arrivé. Hourra! Aide-nous à avoir la bonne hauteur. Crie pendule. Pendule. Rapide comme l'éclair, mais il est loin derrière. On a gagné. C'est comme ça qu'on gagne. Mesdames et messieurs, les champions de la course Petit Cochon 500, voilà, Blaze et Jay, et le plus incroyable des petits cochons de course au monde, je suis une catapulte Monster Machine! Messire Blaze, nous avons rempli tous les ballons avec de l'eau. Oui, ils sont prêts pour la catapulte. Bon travail, les chevaliers. Allez, je vais partir à l'assaut de ces dragons enflammés. Oui! Hurrah! Oui! Bonne chance, Messire Blaze! Tirons sur l'élastique. Grâce à ça, on a assez d'énergie potentielle et on est prêt à tout lancer. On dirait bien qu'un dragon se dirige par ici, mais je ne le vois pas. Aide-nous à chercher le dragon. Quand tu vois le dragon, dis dragon. Dragon! Touché! Joli coup, Messire Blaze. Attention, j'ai l'impression que plusieurs dragons viennent par ici. On va utiliser la catapulte pour arrêter tous les dragons avec les bombes à eau. Dès que tu vois un dragon, dis dragon. Dragon! Génial! Il ne reste plus qu'un seul dragon enflammé. Dès que tu vois le dernier dragon, crie dragon! Dragon! Ouais! On les a tous neutralisés! Regarde, Crusher est presque à la ligne d'arrivée. Il faut qu'on le rattrape. On va utiliser la vitesse explosive. Pour me faire atteindre la vitesse explosive et me faire aller encore plus vite, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Bonjour, Messire Crusher. Quoi? Encore toi? On dirait que c'est l'occasion de savoir qui va le plus vite, une bonne fois pour toutes. On se retrouve sur la ligne d'arrivée, Messire Blaze. Ça va le ralentir à coup sûr. Une boucle de boue! Attention! Cette fois-ci, tu ne mourras pas!
Oh non! Oh. Le grand gagnant de la course royale est Messire Blaze. Oh, vive Messire Blaze! Ouais. Tu as réussi, mon ami! Tu as gagné la course royale! Hurrah! Tu as gagné! Une victoire amplement méritée, preux chevalier! Tu es un champion au cœur pur! Hein? Le roi! Oh. Le roi. Oyez, 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 oyez! Puisque vous êtes le gagnant de la course royale, j'ai le grand plaisir de vous remettre, Messire Blaise, oh, le trophée de l'épée dorée! Ouais. Trop fort! Je suis un bateau à moteur Monster Machine! Attention, je démarre le moteur. Je règle la vitesse de rotation de l'hélice sur 50. Wouhou! Allez, Blaze! Regardez, une fontaine! Si personne ne les arrête, ces jets d'eau vont continuer à inonder le circuit. Je vais le faire, mais il me faut mes skis pour le ski nautique. Gabi a coupé l'eau de la fontaine. Bien joué. Continuons comme ça. Il reste encore plusieurs fontaines à éteindre. Dès que tu aperçois une fontaine, dis fontaine. Fontaine. Belle acrobatie, Gabi. Continue à bien regarder. Lorsque tu vois une autre fontaine, dis fontaine. Bravo! Plus qu'une fontaine et tu as fini. Allez, dès que tu vois la dernière fontaine, dis fontaine. Fontaine! Wow! Hi-ha! Ça, c'est du beau travail, Gabi. T'as réussi à arrêter toutes les fontaines. Et regardez, l'eau est en train de descendre! Mission accomplie! Hourra! Allez, on repart! On a un grand prix à remporter! Ouais! Regardez, c'est Crusher! Il va bientôt atteindre la ligne d'arrivée! Accrochez-vous bien, j'accélère pour le rattraper! Blaze et ses amis sont juste derrière moi. Je dois réfléchir vite et leur jouer un dernier mauvais tour. Oh. Cette fois, je vais utiliser la télécommande pour contrôler cet aimant géant. Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze? On dirait que quelque chose me tire vers l'arrière. C'est cet aimant géant derrière nous. Waouh! Cet aimant est drôlement puissant! Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite. Voilà! J'augmente la vitesse de rotation des roues. C'est parti! Je la règle à 100. Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite! Il faudrait utiliser la vitesse explosive! Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, la vitesse de rotation des roues a atteint 60! 70! 80! 90! 100! Fonce Blaze! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! Je reprends ça! Hein? L'équipe de Blaze a remporté le grand prix. Taxi.
Seul City. Bravo, vous êtes trop fort. Les amis, on a réussi, on a gagné. À vos marques, prêts, partez. On va tenir la distance, gagner la récompense. Mais on a un long chemin à parcourir. La course fait que commencer, faut surtout pas s'arrêter. La course est 100 km. 10, 1. On n'a qu'un seul itinéraire. La course est 100 km. 3, 4, le moteur accélère. La course des 100 km. La course des 100 km. Oh non! Voilà Blaze et les autres voitures de course. Il faut que je fasse quelque chose, sinon ils vont me rattraper. En tout cas, ne touche surtout pas à ce gros bouton rouge. Quand on appuie dessus, la route se casse et s'effondre. La route se casse et s'effondre? Mais c'est parfait! Oh non, la route est toute cassée. Vous savez ce qu'on dit, ça passe ou ça casse. Et là, on dirait que ça a cassé. Il faut qu'on passe de l'autre côté, sinon on n'arrivera pas au bout des 100 km. Hé, regardez en bas. Des morceaux de la piste flottent dans l'étang. Je parie que si on retrouve les bons morceaux, on pourra s'en servir pour réparer la piste. Pour réparer ce premier tronçon de route, il nous faut un morceau avec un côté pointu et un côté arrondi. Quel morceau a un côté pointu et un bord arrondi de l'autre côté? Ce morceau-là, oui. Mais comment on va faire pour le sortir de l'étang? On peut vous aider. Wouhou! C'est Swoops et Gabi. Génial! Vous avez l'air d'avoir besoin d'un coup de main. On va remonter ce morceau de piste. Allons-y, les amis! Maintenant, réparons ce tronçon de route. Ah, on dirait qu'on a besoin d'un morceau avec un bord rond d'un côté et deux pointes de l'autre côté. Quel morceau a un bord rond d'un côté et deux pointes de l'autre côté? Ce morceau, c'est ça! Regardez les amis, vous avez vu? Ce panneau indique que nous avons parcouru 99 km. On est sûr! Ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 1 km de la ligne d'arrivée. Oh non! Crusher est loin devant nous. Et si on se servait de la vitesse explosive? Wow! Pour qu'on atteigne la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Wouhou! La course est 100 km! 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 Je suis Becky Dané et je suis actuellement en direct de la course des 100 km! Il y a une question qui est sur toutes les lèvres et c'est... Quelle voiture de course va passer la ligne d'arrivée en premier? Oh, regardez! Un participant approche! C'est Crusher! Je vais y arriver! Ah, je vais gagner! Attendez! On dirait que d'autres concurrents le talonnent de près! Ils arrivent à toute allure! Dépêchez-vous, les amis! La ligne d'arrivée n'est plus très loin! Allez, j'y suis presque! J'y suis presque! Je veux un tonnerre d'applaudissements pour les vainqueurs de la course des 100 km!
Du moment qu'on fait les choses ensemble, rien ne nous empêchera d'atteindre la ligne d'arrivée. Ça va chauffer, ça va chauffer. Les solides se transforment en liquide quand on les fait chauffer. Si tu fais tomber ta glace en marchant, le soleil va la faire fondre en la chauffant. Toutes choses à un point de fusion étouffant. Selon la température, ça va chauffer. Les solides se transforment en liquide quand on les fait chauffer. La glace devient de l'eau, la roche de la lave. Les solides font. Ça va chauffer, ça va chauffer. Les solides se transforment en liquide quand on les fait chauffer. Ça Piccolo en mode voiture de course, je suis en direct live de ces ponts de glace. Et laissez-moi vous dire une chose, la glace est peut-être froide, mais cette course fait vraiment monter la température. Crusher, Crusher, quelle course impressionnante. Tu sais que tu es toujours en tête de la course. Oh oui. Et tu sais que tu seras très bientôt à la ligne d'arrivée. Oh oui. Et tu sais aussi que tu t'apprêtes à foncer dans un bonhomme de neige? Oh oui! Oh non! Désolé, monsieur le bonhomme de neige. Oh! Ça alors! Et moi qui croyais qu'il n'y aurait plus de nouveaux rebondissements! Oh ah! Je me suis trompé! Voici Stripes en mode voiture de course! Oh non! Pas Stripes! Je ne peux pas le laisser traverser ces ponts de glace avant moi. Et si je trichais pour l'arrêter? Mais oui, voilà la solution. Excellente idée. Je vais fabriquer un robot soleil aux rayons ultra puissants. Allez, à toi de jouer, robot soleil. Brille de toutes tes forces. Flash info! Le robot soleil de Crusher est en train de faire fondre les ponts de glace. Surtout, ne fondez pas en larmes, ça va t'arranger. Oh oh, 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 oh. Je vais te remonter, Stripes. Hop. Merci. Oh, on a réussi à le rattraper. Merci, Blaze. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le pont de glace était là et puis il a disparu comme ça, d'un coup. Oh non! C'est un robot soleil aux rayons ultra puissants! Ah, et il s'apprête à faire fondre ce qui reste de ce pont de glace! Venez! Nous devons traverser absolument ce pont avant qu'il ne soit trop tard! Ah! Ce robot soleil me brûle le pot d'échappement! Dépêchons-nous! Nous n'avons que 9 secondes pour traverser ce pont avant qu'il ne fonde! Aide-nous à le traverser à temps! Fais le compte à rebours à partir de 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, les amis. Il ne reste plus qu'un pont de glace. Mais les rayons du robot soleil ont l'air vraiment très très chauds. Il ne nous reste plus que 5 secondes pour traverser ce dernier pont de glace. Fais le compte à rebours à partir de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, pourtant j'étais persuadé que mon robot soleil au rayon ultra puissant allait faire fondre les ponts. Voilà, comme ça. Oh oh. Regardez, c'est la ligne d'arrivée. Oui, on a réussi. On a gagné le rallye polaire, les amis. Oh, et vous savez ce que ça veut dire? On remporte aussi le trophée de glace. Quelle course incroyable, Blaze! Ouais, ce rallye ne m'a pas laissé de glace! Les pneus sont en effet les plus intéressants que j'ai dans tout le magasin! Ah oui? Alors dis-moi ce qu'ils ont de spécial!
Ce sont des pneus lapins. Des pneus lapins. Oh non, comment a-t-il fait? Je blaise. Oh, t'as vu, il a toujours ses super pneus fabuleux. Je dois vite reprendre la course. Blaze ne doit pas remporter la course de l'île de lave. Il doit exister un moyen de l'arrêter une bonne fois pour toutes. Un moyen comme... celui-ci. Attention, Blaze! Non, t'as un écrou. Crusher a fermé toutes les portes du tunnel. Et le seul passage se trouve tout là-haut au plafond. Alors, dans ce cas, il va falloir rouler la tête à l'envers. Tu veux rouler au plafond? Comment va-t-on y arriver? On peut utiliser nos super pneus fabuleux. Oui! Changeons la surface des pneus pour avoir le pouvoir de l'aimant. Avec le pouvoir de l'aimant, on peut rouler sur ces murs en métal et la tête à l'envers sur le plafond en métal. Pour donner à nos pneus le pouvoir de l'aimant, dis pouvoir de l'aimant! Pouvoir de l'aimant! C'est parti! On peut rouler partout! Oh, on est collé au plafond! Restez bien accrochés! Ouais. Et le tour est joué! On a utilisé le pouvoir de l'aimant! Oh, oh! Une autre porte a été fermée! Ok! Aide-nous à savoir où il faut qu'on roule cette fois! Pour passer par cette ouverture, faut-il qu'on roule sur le sol, le mur ou le plafond? Le mur, oui. C'est parti. Attention, Blaze. Une autre porte de sécurité. Pour passer par cette ouverture, doit-on rouler sur le sol, le mur ou le plafond? Le sol, exact. Bien joué. Et voilà la dernière porte. Pour passer, doit-on rouler sur le sol, le mur ou le plafond? Le plafond. Wow. Ouais. On a réussi. Prochain arrêt, la ligne d'arrivée. Un écrou. Un jet de lave a détruit une partie du pont. Mince alors, il n'y a plus qu'une seule monster machine capable de franchir la ligne d'arrivée. Et devinez quoi? C'est moi. On ne peut pas laisser la victoire à Crusher. Et sans cette partie du pont, on ne pourra jamais atteindre l'île de lave. À moins qu'on puisse rouler directement sur la lave. Rouler sur la lave brûlante? Blaze, c'est impossible! Mais non, rien n'est impossible quand on est équipé de pneus fabuleux! Oui, excellente réponse! Pour donner à nos pneus le pouvoir de rouler sur la lave, dis pneus spécial lave! Pneus spécial lave! Attention, île de lave, nous voilà! Personne ne me dépassera avant la ligne d'arrivée. Et surtout pas Blaze, hein? Oh, c'est pneu fabuleux! Entendu? On dirait bien que nos amis ont un problème. Alain! Nom d'une durite! Il fait drôlement noir dans cette fête foraine. Il nous faut de la lumière pour retrouver nos amis. Beaucoup de lumière! J'ai une idée. On va fabriquer un projecteur. Un projecteur est parfait pour retrouver une chose dans le noir. Oui!
tu veux bien nous aider à me transformer en un projecteur roulant? Pour commencer, on a besoin d'une batterie pour apporter de l'électricité au projecteur. Pour fabriquer cette batterie, dis batterie. Batterie! Maintenant, il nous faut une ampoule puissante pour projeter un faisceau lumineux grâce à l'électricité. Pour fabriquer l'ampoule, dis ampoule. Ampoule! Enfin, on a besoin de conducteurs pour acheminer l'électricité dans le circuit. Pour fabriquer les conducteurs, dis conducteur. Conducteur! J'adore! Je suis un projecteur Monster Machine! La classe! Je crois qu'il est temps d'allumer le projecteur. Regarde! L'électricité se déplace dans le circuit et permet d'allumer le projecteur. Au secours! Je crois qu'il s'agit de Stripes. Aide-nous à le repérer dans cette montagne de cadeaux. Quand tu vois Stripes, dis Stripes! Stripes! Tiens bon, Stripes! Merci, Blaze. Hé, hey, les copains! Par ici! Je crois que cette fois, c'est Starla. Tiens bon, Starla! On va te retrouver! Regarde attentivement. Dès que tu vois Starla, dis Starla! Starla! Ça fait plaisir de vous revoir! Ça va mieux? Oh que oui! Merci pour ce coup de projecteur! Youhou! Pas oublier Zeg! J'ai l'impression que Zeg est coincé de ce côté-là. Tu veux bien nous aider à le repérer? Dès que tu vois Zeg, dis Zeg! Zeg! On va te tirer de là! Oh, Blaise, sauver Zeg! Oh, merci, merci, merci! Mais je t'en prie, c'est normal. Et maintenant qu'on a retrouvé notre liberté, on va vite reprendre notre course. Attendez, les copains! Avant ça, il serait peut-être bien de faire une chose, rétablir le courant de la fête foraine! Pour qu'on aille tous ensemble à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Wouhouhou! Yippie! Yippie! Wouhou! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! Et maintenant, pour les vainqueurs de la poursuite de minuit, voici le trophée scintillant dans la nuit. Wow! Il en jette! Wow! Qu'est-ce qui lui arrive? Le trophée devient rouge, comme ta couleur de peinture. Wow! Et là, il devient orange comme moi. Vert! Rose et jaune comme toi, Watts. Wouhou, wouhou, bleu. C'est à moi. Violet, quelle belle couleur. Eh oui, quand une course de nuit est aussi trépidante, il est normal de recevoir un trophée à partager. Ah, vous entendez ce bruit? On dirait bruit d'aspirateur. Non. Ce ne sont pas des aspirateurs, mais des pièges aspirants! Wow! 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 Zeg! Blaze, fais attention! Blaze! On est coincés! Pas pouvoir sortir! Nom d'un écrou! Nos amis sont coincés dans les pièges aspirants! Il faut qu'on les aide à en sortir!
Oui, mais comment va-t-on faire? On ne peut pas voir dans quel piège ils sont. On doit trouver un moyen de regarder à l'intérieur de ces pièges. J'ai trouvé, AJ. Ce qu'il nous faut, ce sont des rayons X. Oui, une machine à rayons X s'appelle un appareil de radiographie. Quand on l'allume, il envoie des photons spéciaux qui traversent les choses et permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec cette machine, on pourrait voir ce qu'il y a dans les pièges et retrouver nos amis. Ah, ouais, je suis un appareil de radiographie. Monster Machine. Trop cool. Blaze, AJ, là-haut. J'entends la voix de Stripes. Il doit se trouver dans un de ces pièges là-bas. On va utiliser les rayons X pour le chercher. Activation du faisceau de rayons X. Regarde les pièges aspirants. Quand tu vois Stripes, dis Stripes. Stripes! Tiens bon, Stripes! Wow. Et voilà! Merci, Blaze! Activation du faisceau de rayon X! Quand tu vois Zeg, dis Zeg! 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 Ouais! Bon travail, Blaze! Tu nous as tous délivrés de ces pièges aspirants! Regardez! C'est la Coupe des Champions! Et on dirait que la pince volante va bientôt tomber en panne! Je vais enfin attraper la Coupe des Champions! Wow! Ouais! On a su! Ouais! Youhou! Tu as réussi, Blaze! Blaze, avoir sauvé Trophée! Oh, c'est pas juste! Un peu plus et cette coupe n'aurait été rien qu'à moi! 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 Allons, Crusher! Tu ne peux pas prendre une coupe comme ça! Mais alors, comment je peux faire pour en avoir une? Tu le sais bien, voyons! Si tu veux une coupe, il faut la gagner! Oui, en faisant quelque chose de remarquable, comme gagner une course. Oh, c'est vrai que ça semble plus juste que de la voler. Pourquoi tu ne participerais pas à la course des champions avec nous? Comme ça, tu pourrais essayer de la gagner, cette coupe, de façon juste et honnête. Bon, eh bien, c'est d'accord. Je vais participer. Que tous les participants s'avancent. À vos marques. Prêts. Partez. Les participants sont au coude à coude. Lequel décrochera la première place et remportera la coupe du championnat? C'est une égalité parfaite! Blaze, Starla, Zeg, Stripes et Crusher ont tous franchi la ligne d'arrivée en même temps! Ils ont tous gagné la course! Ah Hey! Bravo, vous avez tous fait une belle course. Ah, j'arrive pas à y croire. Tous les cinq avoir gagné course de champion. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire? Il y a cinq gagnants et une seule coupe pour tout le monde. Peut-être pas, Crusher. Regarde. Par le chapeau de Buffalo Bill, la coupe des champions se divise en plusieurs coupes. Wow, il y a une coupe pour moi. Une pour Zeg. Youpi! Une pour Stripes. Ah! Une pour Starla. Wouh! Et une pour Crusher. J'en reviens pas. J'ai réussi. J'ai enfin gagné une coupe et elle est rien qu'à moi. Félicitations, les Monster Machines. On est tous des champions. Ouais, ouais. Blaze, fais attention. Oh! Bah, du slime tout gluant. À ton avis, d'où est-ce qu'il vient? Je crois que j'ai ma petite idée. De ce robot à slime. Zut! Si on reste collé dans la rue à cause du slime, on n'arrivera jamais à temps au jeu de la médaille d'or. Hey, je crois que j'ai une solution. On pourrait pratiquer un sport pour se débarrasser de ce robot à slime. On va jouer au basket. Ouais!
Si on arrive à jeter le ballon dans le trou au-dessus de la tête du robot, ça le bouchera et on l'empêchera d'envoyer du slime. Exactement. Allez, grimpe, AJ. C'est l'heure de faire une petite partie de basket. C'est le moment parfait pour essayer de boucher le trou du robot. Tout ce qu'on a à faire, c'est lancer notre ballon avec une bonne trajectoire. Eh oui, une trajectoire, c'est le chemin que suit un objet quand il est lancé dans les airs. Allez, maintenant, on va essayer cette trajectoire. Est-ce que le ballon ira dans le trou? Oui! Parfait! Et je tire! Ah! On dirait que les jeux de la médaille d'or ne vont plus tarder à commencer. Si on veut y arriver à temps, on va devoir utiliser la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! La compétition va enfin commencer. Je vais remporter cette médaille d'or et personne ne m'en empêchera. Pas même... Blaze! Wouhou! Ouais! Yeah! T'as pu revenir! Eh oui, on est de retour! Et on est prêt à remporter cette médaille d'or! Et voilà! Maintenant que tous les participants sont présents, je déclare les jeux de la médaille d'or ouverts! Si tu veux vraiment gagner, tu dois tout donner. Fixer le ballon, notre heure est venue, nos efforts vont payer. Tiens bon, continue, pas question d'abandonner. Ensemble, on forme une équipe du tonnerre. Tout est possible quand on est solidaire. Branche l'air, essaie, panier, pénalty. On a tout ce qu'il faut pour gagner. Je se termine dans quelques secondes et si la team Blaze réussit à marquer un panier de plus, alors c'est elle qui repartira avec un médaille d'or. Wow, jolie réception Blaze. Oh, merci. Je ne peux pas laisser Blaze marquer ce dernier panier. Oh, il faut que je triche et que je l'empêche d'y arriver avec... avec... ça. Je vais faire monter le panier super méga giga haut. Oh non, Blaze, regarde là-haut le panier. Dommage pour toi, Blaze. Tu ne pourras plus marquer ce dernier panier maintenant. Oh que si, on va le marquer. Il a raison, rien ne peut nous arrêter parce qu'on forme la team Blaze. C'était magnifique! Toutes mes félicitations à la team Blaze! Vous venez de remporter la plus extraordinaire des récompenses, la médaille d'or! Wow! Génial! On a gagné! Valide de l'espace! Démarrez vos moteurs à propulsion! À vos marques! C'est la course interplanétaire. Oh, oh, oh. Va dans l'espace, au milieu des étoiles, avec Blaze, le vaisseau spatial. Oh, oh, oh. Va dans l'espace. 3, 2, 1, 1. On s'attrapait l'espace, l'espace et l'univers. L'espace, oh, oh, oh. Vol, vol, vol. L'espace, l'espace va s'en arrêter dans la galaxie. Jusqu'à l'arrivée. Oh, 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 l'espace.
quelque chose m'a foncé dedans. Nous aussi, on nous a foncé dedans. Chouchou. On s'est tous fait rentrer dedans. On aurait dit des mouflons de l'espace. Nom d'une étoile, c'est une catastrophe. On ne pourra pas finir la course si on ne trouve pas un moyen d'esquiver ces mouflons. Ne vous en faites pas, les amis. On réussira à tous les esquiver. Oh oui, il suffira de faire un écart avec nos vaisseaux pour les empêcher de nous rentrer dedans. Et pour ça, on utilisera la poussée. Jusqu'à maintenant, nos moteurs ont produit une force de poussée qui nous projetait vers l'avant. Mais si on les incline selon un autre angle, la puissance qu'ils dégagent va créer une poussée qui nous projettera vers le haut, ou bien vers le bas, ou dans n'importe quelle autre direction qu'on voudra prendre. Vite, changement de direction de poussée. Allez, venez, on continue. Suivez-moi. Youhou. Aide-nous à repérer les autres mouflons de l'espace. On doit les éviter pour avancer. Dès que tu vois un mouflon de l'espace, dis « mouflon de l'espace ». Mouflon de l'espace. Changement de direction de poussée. Bien joué, les amis! Quelle excellente maîtrise de la force de poussée! Il ne reste plus qu'un seul mouflon de l'espace. Tu peux nous aider à le repérer? Dès que tu vois le dernier mouflon de l'espace, dis mouflon de l'espace. Mouflon de l'espace! Changement de direction de poussée! On a réussi! Quelle esquive magnifique, astronaute AJ! Et quel vol impressionnant au vaisseau spatial Blaze! Regardez là-bas! Vous voyez cette planète? C'est là que se trouve la ligne d'arrivée! Oh non! Rusher y est presque! Je vais gagner la super course de l'espace et devenir le champion de tout l'univers! Moi! Cosmique Rusher! Pour nous donner à moi et à mes amis la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Oh oh! Je suis quasiment arrivé! Tout ce qu'il me manque, c'est une photo de moi en train de gagner la course! Dis... oui, si... On a réussi! On a gagné la super course spatiale! Dites les amis, la course est peut-être terminée, mais il me semble que nous, on est toujours dans nos vaisseaux spatiaux! C'est vrai ça! Ça vous dit qu'on se fasse une dernière petite balade? La tête dans les étoiles? Avec plaisir! Alors c'est parti! Sans t'arrêter dans la galaxie jusqu'à la nuit. L'espace, vol dans l'espace. Il a des profondeurs. Tenez-vous prêts. Le départ est imminent. Tu diras à Blaze quand il faudra démarrer. Quand le feu vert s'allume, dis partez. Le pied au plancher, à travers les profondeurs. On met les gaz dans les eaux turquoises. C'est vraiment fou, rejoignez-nous pour le Grand Prix. C'est parti, au beau milieu des coraux. En train d'enfer, au fond de la mer. On va assurer le show garo. Remous, méfiez-vous, ça va secouer. Et bouillonnez, car le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est parti.
direction. Et il nous indique de suivre cette direction. C'est parti! C'est un peu étrange. Je n'aperçois aucun autre participant dans les environs. Je suis d'accord. On a dû prendre une mauvaise direction. Une très mauvaise direction! Attention! Oh! Wow! Ah! Ah! C'est pas vrai! Ces drôles de canons aquatiques envoient des algues en forme de boulet. Si on veut reprendre notre course, on va devoir trouver un moyen de passer à travers ce champ de bataille. Hein? Wow! Vous avez entendu? Wow! C'est une étoile de mer! Et on dirait qu'elle est forte en karaté. Salut l'étoile de mer! Tu crois que ton karaté pourrait nous aider à traverser ce champ de bataille aquatique? Ce coup de pied sauté est terrible. Tu es prête, étoile de mer? On compte sur toi pour nous ouvrir la voie. Sous-marin... En action! Attention! Je sens qu'ils vont nous envoyer d'autres boulets. Comptons combien de boulets aquatiques arrivent vers nous. Compte avec moi. Un, deux, trois! Trois découpages et que ça saute! 1, 2, 3. Et regardez, on retombe sur le tracé de la course. Mais avant d'y arriver, il va falloir passer ces derniers canons aquatiques. Compte les boulets avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facile avec notre bonne étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci pour ton aide, étoile de mer. Oui, grâce à toi, on est à nouveau dans la course. Allez, plus de temps à perdre. Il faut qu'on rattrape notre retard sur les autres participants. Sous-marin, en action! Blaise, tu as vu? C'est le sous-marin de Crusher. Et voici le grand château de sable qui représente la ligne d'arrivée du Grand Prix des Profondeurs. Si on ne se dépêche pas, Crusher va la franchir en premier. Certainement pas, parce que même sous l'eau, je peux compter sur la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Victoire, on a réussi! Ouais! Félicitations, Blaze! C'était une sacrée course! Merci, les petits crabes! Et comme tu es arrivé à la première place, regarde ce que tu remportes! Waouh! C'est une coupe! Exact! C'est la coupe des profs!